time, Bear Grylls. I'm going to show you what it takes to get out alive from some of the most dangerous places on Earth. I've got to make it through a week of challenges in the sort of places you wouldn't last a day without the right survival skills. Now, I'm in Arnhem Land, Northern Australia, where the man-eating saltwater crocodiles dominate the food chain. Man, you see the size of them. I'm hanging on to crumbling sandstone. And I battle to stay out of the water and away from those hungry crocs. Et bonjour à tous, c'est Jim. Oui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Far Cry 4. Alors, dernier épisode, on a enfin passé ce putain de pont. Et si vous regardez à nouveau le dernier épisode, hein, je pense pas que vous allez le faire, mais bon, juste pour vous dire, vous aviez ici toute cette partie-là qui était encore brouillardisée, on va dire. Donc voilà. Donc j'ai XP toute la map, hein, et puis j'ai débloqué, alors j'ai pas encore terminé, vous avez des petites missions d'escorte, etc., que j'ai pas terminé, j'ai pas débloqué les lieux. Par contre, j'ai terminé tous les... Hein, vous voyez, ici, tous les téléporteurs, en fait, avant, c'était des avant-postes. Donc, j'ai débloqué tous les avant-postes. J'ai débloqué également toutes les tours que vous voyez ici, toutes les tours de radio. Et puis, au niveau de mes compétences, alors, j'ai rien amélioré du tout, puisque j'en ai pas débloqué. Les dernières, c'est principalement avec la mission principale et 2-3 trucs chiants à faire. Par contre, j'ai amélioré les confections, si vous vous souvenez, chez, je crois que c'est Mumu Fripon, je sais plus comment il s'appelle, celui qui nous permet d'améliorer tout ça. Bref, il m'en manque une, alors je la trouve pas sur la carte. Et puis, enfin, dernier truc, alors, je peux pas vous le montrer là. Faut que je sorte de la voiture. Et ensuite, je vais vous présenter notre copain, notre nouveau copain, parce que j'ai découvert qu'on pouvait être accompagné pendant la partie, qui me suit là d'ailleurs, Alfredo, hein, je l'ai baptisé comme ça, voilà. Parce qu'en fait, vous avez la possibilité, en appuyant sur la touche V, d'invoquer, on va dire, des mercenaires. Et moi, je pensais que quand on invoquait les mercenaires... Il y a Babar au bout, là, vous le voyez, avec son pote le Rhino. Et moi, je pensais que quand on invoquait des mercenaires... Tiens, mon micro est vraiment trop loin, là. En fait, il y avait un groupe de mercenaires qui venaient pendant un temps et qui repartaient ensuite. Et en fait, pas du tout. C'est Alfredo qui déboule, qui vient en voiture pour vous donner un coup de main. Et franchement, il s'est tapé contre des mecs. Je sais pas si vous vous souvenez, vous avez des mecs en super armure avec des mitraillettes. Lui, il fait du face-à-face avec eux. Donc, il est costaud, là, Alfredo. Donc, je le garde avec moi. Bon, par contre, ça lui arrive systématiquement de crever à chaque mission. Mais bon, c'est un peu l'appât, quoi. Il me sert d'appât. Donc, je vais juste vous montrer les 2-3 armes que j'ai débloquées. Et puis ensuite, on va partir faire la mission principale, je crois que c'est Amita. Hop, donc c'est dans acheter. Alors, les armes de poing, je les avais déjà toutes, ça, il n'y a pas de nouveauté. Ici, non plus, il n'y a pas de nouveauté, on m'a offert peut-être 2-3 trucs. Et j'ai des armes maintenant qui sont gratuites, mais voilà. Par contre, alors j'ai débloqué le Predator, qui est censé être le meilleur fusil de précision, de sniper. Mais moi, je préfère utiliser celui-ci. Celui-ci, pardon. Parce que vous voyez, au niveau des stats, déjà, il est meilleur. Et puis, il est customisable à l'inverse du Predator. Toutes ces armes-là, en fait, on peut pas les customiser. Sauf certaines pour la couleur, mais sinon on peut pas. Donc, je le laisse ici. Et par contre, je me suis payé à 490 000 boules, ou 430 000, je sais plus, la scie mécanique, qui est en gros une mitraillette de main, que je vais vous montrer tout de suite en ressortant. Et qui a un DPS, mais absolument énorme. Attendez, c'est celle-là. Là, ah, ça envoie, tu les vois les bastos là qui sont posés sur le dessus, au-dessus de ma main. Juste pour vous montrer un buffle. Voilà, ça, je le fume en 2 secondes. C'est un truc, cette arme c'est vraiment un truc de ouf. Ah Fredo, allez on est parti. On va aller voir Amita. Donc on a une bagnole là-bas, je vais regarder juste sur la map poussée, normalement je suis pas loin, ouais. Donc Amita est là, hop. Bah, très content de vous retrouver, j'espère que le dernier épisode vous aura plu, hein. Je crois qu'on est à 24 missions sur 32, donc on a bientôt fini cette série, enfin, et je suis un peu content de pas vous avoir finalement spoilé les... Oh merde, Alfredo, putain, Alfredo, je t'ai oublié, attends, viens, non, parce que je crois que sinon il prend une voiture de son côté, mais je suis content de pas vous avoir spoilé dans le sens où... Il y a vraiment des trucs intéressants à faire en mission secondaire et je peux pas vous les montrer parce que je veux pas faire 80 épisodes. Ah d'habitude tu montes derrière Alfredo, bon bah c'est cool, je fais le taxi. On est parti.
Alors j'espère que la petite Amita m'attend en petite tenue parce que là j'ai nettoyé la zone. Je l'entends me parler à la radio, elle est contente, mais j'espère quand même avoir une petite récompense. Parce que là, sa fille badra, moi je veux bien m'en occuper, y'a pas de souci si je peux me taper Amita. De toute façon, y'a qu'elle et j'ai pas l'impression que EJ ait envie de rentrer aux États-Unis, donc bon. Ah ouais, par contre ça... Allez, on est juste à côté. Oh, il y a un petit coffre ici, je le ramasserai plus tard. N'empêche, rien que... Juste en... Ah, je vais fermer ma gueule. Amita, je suis dans le nord. Le nord. Je me demande ce que devient Outkarch. Écoute, il y a une cellule du Sentier d'Or là-bas. Des gens bien. Outkarch se trouve au nord du pont. Et ces gens, ils connaissent la région comme leur poche. Ce serait vraiment bien que tu reprennes le contact avec eux. Mais attention, tu as vu la garde royale? Ils sont bien plus redoutables que l'armée normale. Ah ouais, alors ça c'est un truc de ouf. Au niveau des fights avec les mecs, je vous assure que maintenant, le jeu prend vraiment tout son sens. Hein. Donc je crois que j'ai pas terminé ce que je voulais vous dire. En gros, je vous conseille vivement de l'acheter ou de le télécharger, ce que vous voulez, ou faites comme vous voulez. Mais il est vraiment énorme. Moi j'avais pas prévu, je vous avais dit, bon, la dernière... Domesto... vas-y Alfredo, on te regarde. Ah, c'est bon, tu l'as fait fuir. Allez, on se casse. Qu'est-ce que je disais? Ouais, le jeu est vraiment énorme. Moi, genre, je vous avais dit au dernier épisode qu'avec tous les let's play que je fais en parallèle... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un vautour, hein. Il y a le vautour, hein. Ouais, vas-y, on se casse, Alfredo. On va pas s'arrêter toutes les deux secondes pour des pèlerins. Et si, on te laisse, on s'en bat les couilles. Alfredo, t'es où? Allez, monte. Allez. Et ouais, non, je vous avais dit que je terminerais pas, que j'ai pas le temps de faire les missions secondaires et tout. Et je m'y suis remis juste 2 secondes et franchement, j'ai fait une nuit complète dessus. Une nuit blanche. Enfin, il est juste super immersif. Et là, du fait que je sois passé dans la deuxième zone, beaucoup, beaucoup plus compliqué, je vous assure que les fights, ça rend super bien. Alors bon, là, c'est le mode let's play, donc je vais sûrement faire de la merde. Mais je vous assure qu'il y a des phases, c'est vraiment, vraiment très stylé, quoi. Vous pouvez plus rester sur un spot comme avant et sniper tout le monde de très, très loin. Vous êtes tout de suite repéré, donc obligé d'être systématiquement en mouvement. Et par où je passe, nom d'une pipe? Oh putain, c'est là-bas. Putain, je l'avais pas regardé. Allez, Alfredo, on se casse. Excuse-moi, hein. C'est rien, c'est rien. Allez, on reprend la route, c'est plus simple. Alors, oui, si j'ai amélioré une ou deux compétences, c'est-à-dire que je peux maintenant rester beaucoup plus longtemps sous la flotte, en apnée, et puis je peux courir indéfiniment. Alors, ça, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que la plupart du temps, je prends même pas de voiture, je cours. Je me mets pas très loin du spot, hein, par téléportation. Et puis ensuite, je cours directement sur site et je fume tout le monde, surtout avec ma scie mécanique. Enfin, quand on me fait pas des trucs en mode discrétion. Mais bon, mode discrétion, je m'en sors plutôt pas mal. Enfin, je m'en suis sorti plutôt pas mal, je sais pas ce que ça donnera avec vous. Bon, allez, je vais arrêter de compléter, j'en ai marre. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, là? Allez, hop, on se gare à l'américaine. Voilà. Allez, on est go, Alfredo, on est parti, là. Fini le sommeil. Arrête. Alors, Outkarch. On est à 4200 mètres, les gars. On respire de la bonne air. Alors, on va direct à la mission. Tout le reste, je le ferai de mon côté. Rencontrer les rebelles à Urka. Bonjour. Ah putain, c'est un mec, j'hallucine. Enculé, je devrais t'exécuter. Je croyais que t'étais une femme. Ah, celui-là, on le récupère quand même. Il est vraiment à côté. Comment t'as fait? Comment t'as réussi à t'évader? Mon stachu. Tu t'es servi de tes ongles et de tes dents? Il y a un peu de teint, genre... Ok, on est arrivé. Hop. Merci. EJ, merci de nous avoir réunis avec le Sentier d'Or dans le sud. Tu peux dire à Amita et Sabal qu'on est prêt à se battre. On a choisi des cibles. Pagan. Non, c'est ma famille. Oh, et ça,
tiens, c'est de l'acajou, c'est ça? Et vous alors? Des gens sympathiques, à l'image de leur maison. Des gens, tout ce qu'il y a de bien. Vous savez, on m'a dit que si je voulais vraiment apprécier toute l'hospitalité offerte par Utkarsh, il fallait que je vienne voir les Rana. On a demandé à tout le monde, et tout le monde a répondu la même chose. Ils sont très très gentils. Ils parlent à n'importe qui. À n'importe qui, ai-je dit. À n'importe qui, ont-ils dit. Et ils ont tellement insisté que j'ai décidé de venir voir ça. C'est trop mignon. Vous voyez, je voulais vous prévenir. Nous prévenir? Bien sûr. Bon, je ne sais pas si vous savez, mais on m'a signalé la présence dans les parages de personnes fort peu recommandables. Et j'ai très peur que ces personnes, ces terroristes, eh bien, qu'ils essaient de profiter de votre hospitalité. Qu'ils viennent souiller votre belle réputation. Et on ne voudrait pas que ça vous arrive, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Non, hein? Bien. Vous voulez bien que je vous protège? Que je lave votre réputation? S'il vous plaît, oui, Roi Mine. Vos désirs sont des ordres. Je suis ravi que nous soyons d'accord. Je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Ça ne devrait pas être long. Qui ose dire que je délaisse mes sujets? Non! Ils vont te tuer! Je m'occupe de Pagan. Oh putain! C'est une dédicace à Inglorious Bastard, ça, c'est sûr. Amita, j'ai trouvé Pagan! Je lui cours après! Pagan! Tu peux mettre un terme à tout ça! Je sais! Allez, c'est parti! On va se taper Pagan. Putain, je sais pas où il est. Ne laissez pas Pagan s'éloigner. Oh putain! Ah, ça y est, c'est la mission stress, là, pour chasser Pagan. Allez! Tuer Pagan! Oh le truc de ouf! Ah mais c'est déjà la fin du jeu en fait! Je l'ai eu? Oh j'hallucine! Oh! Putain! Oh cette pute de Pagan! Attends mais... Oh attends mais c'est qui me fume là? Je viens de vous tuer! Non, tu viens de gâcher un sosie quasiment parfait avec une calvitie décente. Tu sais combien il m'a coûté? Au moins, il était même pas asiatique, bordel de merde. Il venait de Melbourne. Son seul crime aura été d'avoir de fabuleuses pommettes. Tu crois que c'est la photo de qui sur les billets? Peu importe, ce qui est fait est fait. La prochaine fois, ce sera entre toi et moi. Ok, bon, bah écoutez, on l'a pas eu, hein, tant pis. On va voir si on a une petite mission dans le coin à faire, qu'on pourrait se taper tout de suite. Alors, non, par contre, faut que je reste là, je crois qu'on va me contacter. Attends, mais faut que je les nique tous les mecs, là? Non, je suis pas obligé. Ah non, faut que j'aille là-bas, putain, j'avais pas vu la mission principale sur la carte. Tu m'as pas repéré. Oh, je pensais direct l'avoir buté. Ça m'aurait fait chier de le buter comme ça sur une petite mission à la con. Je me suis dit, putain, ça va, les mecs, ils se sont pas fait chier, quoi. Sérieux. Bon, alors, attends. Tac, tac. Ah ouais, parce que si j'y vais à pied, je suis pas arrivé. Donc voilà, donc ça, c'est cool, parce que tu vois, quand je prends les télétransporteurs, j'allais dire non. Le déplacement rapide, au moins, je suis à côté, je perds pas trop de temps. On va juste recharger les... Alors, nouvelle arme débloquée, vecteur, nouvelle arme débloquée. Ça, c'est un pompe, nouvelle arme débloquée. Oh.
Attends, je suis curieux de savoir c'est quoi. Tiens, on recherche ça, ça aussi. Oh. Magnum, 60 000. Allez, on l'achète. Oh, j'avoue, c'est la classe de tirer au Magnum. Mais ma petite arme automatique, elle est quand même patate. Hein. Donc, je vais la garder. Je vais juste les acheter, histoire de faire... 100 000. Espace. Okay. Allez, on l'achète. Donc, voilà, moi, je fais ça. J'achète, mais j'équipe pas. Je garde ce que j'ai... Je sais. Alors par contre, vous voyez, je suis un peu déçu parce que autant ils ont mis des améliorations sur tout, autant par contre dans les armes spéciales, vous n'avez pas d'arc. Oh, qu'est-ce que c'est? Lanceur. Oh. Bon, on l'achète, hein, on va pas s'en équiper. Putain, il coûte cher le con. En plus, il est pas modifiable. Hop, il manquait un truc. Ouais, il manquait celui-là. Putain, 100 000. Allez, on est bon. On est bon. Je vais juste vendre un petit peu mes trucs. Hop. Et on se casse d'ici. Par contre, je crois qu'il est mort dans l'histoire. Alfredo, je l'ai complètement oublié. Le pauvre. Alfredo, viens ici. Allez, hop. On vous envoie du renfort. Donc, vous voyez, je peux vraiment courir à l'infini. Ça, c'est cool. Attends, tu es... Il est où, loot? Je t'ai eu là, non? Ouais, je t'ai eu, yeah! Ah putain, je voulais passer au-dessus. Hop. Ah, par contre, lui, je crois que si je lui parle, il me donne un truc. Ouais, yes, 4005. Bon, c'est toujours bon à prendre. Alfredo, s'il te plaît, tu peux bouger ton cul? Oh. Attends, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Ça, ça. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, on se casse. Ah, on se casse, mais j'aurais dû récupérer la voiture. Putain, j'ai été con. J'étais con, Alfredo, parce qu'on peut pas monter, là. Tu me suis, au moins? Putain, je crois qu'il me suit pas. Attends, il est où, Alfredo? Ah ouais, Alfredo, on le voit pas sur la carte, c'est dommage. Ils auraient pu rajouter ça, Ubi. Non mais sérieux Alfredo, attends, parce que en fait on peut lui donner des ordres, le rebelle vous suit. D'accord, hop, je rate la voiture. Bon, normalement il devrait me rejoindre en bagnole de toute manière, donc pas de soucis. Puis on... c'est pas comme si on avait beaucoup besoin de lui, mais bon, il est pas mal, vraiment, pour, comme je vous ai dit, pour faire les petites diversions, ça c'est cool. Bon allez, on va à la mission, on est à 16 minutes de let's play, on a fait la moitié sur une mission à la con. Je suis pas sûr de pouvoir passer là, mais je prends le risque. Je pouvais escalader, mais je vais y aller à patte. Ok, bon, on est à côté là. Merde. On continue à pied. Donc voilà, le fait vraiment de courir. Oh putain, mais c'est chez Airwash de Zef. Airwash de Zef, putain, ça fait longtemps que j'avais pas fumé un petit tarpé avec toi, la tarpé du terre-terre. Attends, mais. Ah ouais, je crois qu'il faut vraiment m'approcher de la porte de la tente. AJ, tu tombes bien. Pagan va diffuser un message. C'est quoi ce bordel? Je sais pas, mon frère. Mais on va le savoir bientôt. Comme eux, nous devons aller de l'avant, sans état d'âme.
L'attentat fait à ma vie n'est rien de plus qu'un symptôme de la résistance au changement. Je vous rassure, Yuma Lo, ma fidèle commandante en chef, qui supervise nos opérations minières au complexe KEO, s'interposera entre moi et d'éventuels assassins. Elle préférerait se sacrifier plutôt que de voir quelqu'un me faire du mal. Essayez, je vous mets au défi. Je serais curieux de vous voir la mettre à l'épreuve. En résumé, le changement est bon. Accueillez-le. Votre roi est vivant. Réjouissez-vous. Et Yuma attend, telle une sentinelle. Elle attend. Venez donc. Je crois qu'il nous appelle, mon frère. Les mines. Tu sais quoi faire. Bon, bah écoutez, hein, le mec nous a défiés. Alors en même temps, le mec, si vous regardez la carte, bon, il reste toujours sa forteresse qui est ici. Il y a la forteresse de Pagan là, il y a la forteresse de Yuma ici. Pour le reste, son territoire, enfin, il est roi de sa forteresse, mais bon, ça s'arrête là, quoi. Alors, rejoignez la mine d'or abandonnée. Donc on va y aller, hein, on va finir le let's play sur cette mission. Par contre, c'est relou, vous voyez, genre j'ai lancé une mission, j'ai perdu Alfredo. Et Alfredo quand même, enfin c'est des jetons. Putain, mais j'hallucine. C'est le vautour, hein. C'est le vautour, hein. Voilà. Ah ouais, comme j'ai débloqué une sacoche, en fait avant j'étais à 96 au niveau du stock de munitions sur cette arme, maintenant je suis à 125, même plus hein, parce que j'en ai gaspillé, là je dois être à 150, donc ça c'est cool. Par contre je suis à 300 mètres, c'est relou, j'ai pas un moyen, ah ouais mais je peux pas utiliser le téléporteur, donc on va découvrir un nouveau lieu, ça c'est cool. Je m'excuse souvent pour les premières impressions laissées par Yuma. Elle a une capacité remarquable à massacrer ses premiers rendez-vous. J'adorerais que vous puissiez vous rencontrer sous de meilleurs auspices. Elle a vraiment été un élément déterminant dans la plupart de mes succès. Elle négocie les traités avec mes partenaires internationaux, elle surveille Nour et Paul, et elle trouve encore le temps de diriger mon armée. Enfin, il y a quand même cette récente obsession pour les superstitions Kirati. Elle croit que je ne sais pas pour les expéditions qu'elle a envoyées dans les montagnes à la recherche de peintures magiques ou de je ne sais quoi. Je suis aussi ouvert que n'importe qui pour permettre quelques pertes humaines et faire plaisir à mon employé. Mais quand on me pique un peu trop mes jouets, je finis par couper quelques mains. Alors, bon, bah, je suis juste à côté. On va voir ce qu'il faut faire exactement. Retrouver Yuma. Ah putain! Commandant en chef directement. Oh putain, je sens que ça va être une mission qui va durer 3 heures. Alors attends, c'est pas par là, il y a des petits rats, on s'en bat les steaks. Voilà, il y a un chemin ici. Descends tranquille. Il est beau, hein. Ça se fie du terre-terre. Putain. Ah, par contre, les offrandes, je pensais qu'il y en a... Attends, mais je suis bloqué entre les pattes. Ok, un peu de fric récupéré. Vous mettez pause, les copains, hein, comme d'habitude, si vous voulez lire. Ah, mais... Attends, mais j'ai fait bugger le son en ramassant le truc. Bon, il faut lire, les mecs. Tous les enfants, ok. Je veux que tu
rituels dans chaque maison. Ok, bon, je sais pas où j'ai atterri encore, mais c'est chelou. Je remonte une rivière de sang, putain. Elle l'a affaibli, ramolli. Elle en a fait cette coquille vide et maniérée. Et depuis ce jour-là, ce n'est plus un roi. Il est brisé, usé. Oh non, me dis pas qu'Amita c'est ma mère, hein. Parce que si on m'annonce ça, je tombe sur le cul. Tiens, il y a de la lumière là-bas, on va y aller. Ok, bon. Dialogue bug un peu, hein. C'est bien, ça nous raconte un peu l'histoire de comment c'était avant qu'on arrive. Surtout pour un mec comme moi qui lit pas du tout les bouquins, c'est bien d'avoir un peu le background. Putain. Oh, j'ai que ça. De quoi? Ok. Oh putain, c'est tout lent. Mais putain. Oh là là là, la liste. Mais oh là, je... J'hallucine. J'hallucine. Putain, je me fais chier à débloquer toutes les missions, tous les coffres, tous les trucs. Tout ça pour qu'on me remette à l'arc en train de galérer comme un porco. Par contre là les gars, j'attends pas moi. Ah ouais, y en a un au couteau, putain. Coucou. Je les ai tous eus là. Ouais, on est bon là. Non, putain, on est pas bon du tout. Je l'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe où il était, putain. Détruisez la porte. Allez, pleine aux têtes. Et la porte, je l'ai détruite en mode explosion. Comment ça marche, les copains? Je sais pas. Ah, ça veut dire que j'aurais... Attends. Putain, j'ai pas envie de gaspiller un truc pour ça. C'est peut-être pas cette porte-là non plus. Hein. Ouais, bah si, c'est ça. Putain, je voulais pas utiliser mes trucs. Ah, je peux pas l'utiliser. Ah, d'accord. Ça marche pas. D'accord, bon. Ok, bon. Il est stylé l'arc, hein, n'empêche. Hein. Ça fait arc un peu mode RPG fantasy. Avec des petites loupiottes dessus. Ouais, par contre, on m'a laissé un grappin. Ça, c'est cool. Je croyais que ça s'arrangerait, qu'il se remettrait. Mais non. Ce qui est brisé reste brisé. Il est resté faible. Mais Pagan ne me brisera pas. Ce pays ne me brisera pas. Je me suis lâché trop. Je pensais, putain, je pensais pas qu'il y avait une remontée. J'avoue, je suis parti de loin. J'avoue, je suis parti de loin. Oh non, me dis pas qu'il faut tout refaire. Ah, pff, c'est cool. Oh, oh non, mon dieu. Allez, je vais pas rester longtemps parce que la dernière fois, ça m'a porté préjudice. Allez, on se casse. Hop, nickel, même pas un dégât. Ah merde, c'est pas fini. Attends. Donc je grimpe là, ensuite... Ouais, je m'accroche à celui-là, ok. Allez, la corde Ikea, là. Ok. Merde. Ok. Mais c'est utile ce que je fais, ou...
le choix. Soit tu rentres dans le rang, soit tu passes ton chemin. Je sacrifie nos libertés pour la paix à l'air. Attends, mais j'ai réussi là en fait ou... Parce que là j'avance et j'ai l'impression que je reviens en arrière. Ils m'ont mis checkpoint. Non, ça a l'air d'être bon. Oh putain, il est fait. Oh la petite ouille de moi. Putain, j'en ai marre, on se fout de ma gueule. On arrête de faire joujou. On sait tous les deux ce que tu veux vraiment. Bien sûr. J'ai pas besoin de te le dire. Regarde la bosse que j'ai dans le froc. Pas de jouer au lit. Non. Shangwa. Oh. Tu vas mourir, Jake. Il est temps de faire ce que Pagan ne ferait jamais. Il est temps de jeter tes cendres et celles de ta mère au cochon. Va mourir, toi, putain. Oh, c'est tout long, putain de merde. Une exécution sur Kaline. Attends, c'est quoi ce bruit? Pas dû le rater celui-là. Putain, mais c'est ces fluides du terre-terre, j'hallucine. Oh. Putain, mais il est où? Faut que je reprenne un peu de vie là parce que c'est pas possible. Oh putain, je vais t'éclater toi. Putain, pas possible, ouais bah ça va être trois fois. Je l'ai eu. Allez, sors de ta cachette. Oh, j'hallucine, putain, mais c'est un truc de ouf ça. T'es le mec, les mecs ils te laissent avec un arc, laisse tomber. T'as une flèche qui part tous les 5 ans. Ouah, franchement ça m'a saoulé. M'a saoulé cette mission. Putain, mais les mecs ils déboulent à 80, j'hallucine. Oh là là, mais je me soigne et je me fais baiser la gueule. Oui, bah comme si on en avait pas assez, maintenant faut qu'il y ait des tigres. Bon, par contre, ils sont pas très solides. Putain d'archer de mes couilles. Ah c'est bon, putain. Voilà. Ouais, parce que là tu m'as saoulé mec. Voilà, alors je sais pas ce qui s'est passé.
Bon, bah écoutez, hein, une bonne chose de faite. Alors par contre, je vais ranger cette arme parce qu'il ne faut pas y avoir des accidents. Amita, Yuma est mort. Tu as tué le démon de Durgesh. Ne t'inquiète pas, AJ. Pagan est le prochain. Bon, bah épisode sous pression. Écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire si c'est le cas, voire à vous abonner si vous êtes chaud. Je vous dis tous à très bientôt, portez-vous bien. Ciao tout le monde.